Salut, salut! Première vidéo sur mon dernier investissement. Donc de quoi scier, mais je suis pas parti sur une gruminette. Parce que là, même si je vous montrais le sillage d'une planche, mon but c'est pas de faire des planches et de faire des avivés. Donc soit des chevrons, soit des arbalétriers ou des poteaux, voire des pannes. Donc j'ai investi dans un système où en définitive vous avez un grand rail. Hein, donc c'est des morceaux de 1 mètre qu'on met bout à bout. Rail de très bonne qualité. Et pour fixer le rail, donc en bout de grume, vous avez une platine tenue par 4 vis, hein, sur laquelle je vais revenir, avec un bras, et sur ce bras, vous avez une tige graduée en pouce, du moins en quart de pouce, hein, avec des anneaux, qui vous permet de régler la hauteur de sillage. La fixation du rail, elle se fait par-dessous, dans le profilé, il y a des mâchoires. Et là, comme la longueur, le rail a beau être bien rigide, je suis quand même sur une longueur de 6 mètres de rail, là. Pour découper du 5-30, j'ai rajouté des pointes qui sont juste prises à peine en stabilisation pour éviter que le rail fléchisse. Donc je vais démonter ça et vous montrer l'intérêt de cette fixation en cœur de grume. Et je vous parlerai une autre fois des inconvénients. Je vais commencer par enlever les tiges qui sont juste là. Pour l'instant, j'utilise un pied de biche. Il faut que je me fasse une espèce de clé en tapant dessus parce que pour ne pas taper dans le rail, là j'ai déjà donné un éclat. N'oublie pas de les laisser avant. Donc là, c'est le rail que je défais. Non, c'est pas le rail, ça. Le rail, c'est dessous. Tu filmes là, Marie? Là où je suis. Essaye de te rapprocher, peut-être. Là. Ouais. Donc, je parlais de la fixation du rail. C'est cette pièce-là, donc qui est prise. Je vous montrerai au bout qui permet de serrer le rail à l'intérieur. Et chaque morceau de rail, vous avez une pièce de renfort à l'intérieur, tenue avec des vis qui sont ici sur le côté, et deux brides de chaque côté. Donc les liaisons sont vraiment correctes.
la pièce qui permet de fixer le rail, c'est celle-là. Donc là, je vais la sortir. Ça marche comment? Vous la mettez et en serrant, vous avez la palette ici qui descend. Je suis là, Marie. Donc là, vous avez cette palette qui permet avec une série et en serrant, en la descendant, ça permet d'écarter les mâchoires pour bien les coincer au fond du rail. Donc là, vous tombez sur le système de fixation du rail en bout de grime. L'avantage de ce système, c'est que là, vous voyez une encoche. Vous en avez 4 dans la, 4 dans la palette. Donc ça permet d'avoir effectivement des angles droits. Donc là, je le mets dans ce sens-là, parce que je vais, maintenant, je vais scier ce côté-là. Donc je vais tourner ma grume. Donc je peux même le descendre. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais retourner la grume. Donc pour l'instant, j'ai qu'un petit tourne-grume. Et pas ce qu'on fait de mieux pour cette taille de grume là. J'en attends un plus gros, mais bon. Pour l'instant, on fait avec. Donc ce tourne-grume, j'y reviendrai dans une vidéo plus tard parce qu'il est particulier. Donc là, une fois qu'on a tourné la grume, ben, on remonte le rail. Quand c'est des grumes plus courtes, il n'y a pas besoin de démonter le rail. On tourne avec, mais là, comme le rail sur 6 mètres de long, je me suis déjà fait avoir avec la grume qui continue à tourner. Dans ces cas-là, ça appuie sur le rail. Donc, comme je ne veux pas tout casser, c'est un peu plus long, mais je préfère prendre le temps de démonter le rail. Où est-ce que je l'ai mis? L'autre bout. Ah, il est là. Thank you.
le chariot, comme il dépasse du rail, là ce que je fais avec mon niveau, c'est que je règle, j'essaie de ramener le rail au plus près de la grume, mais je règle de manière à ce que le chariot touche pas dans le, tape pas dans le montant. Donc là, je vérifie qu'il est bien plaqué et je serre. Maintenant, je vais pouvoir rapprocher le rail de la grue. Maintenant que tout est très serré, je fais une première vérification. Je ne suis pas obligé, tant pis, on va prendre ça. Donc c'est l'inclinaison de mon rail. Donc là, je ne suis pas de niveau, mais c'est pas grave. Mais de l'autre côté, des deux côtés, je suis pareil. Ça, je l'ai fait en fixant ma palette de manière à ce que les deux côtés soient positionnés bien parallèles. Là, on s'aperçoit que mon rail a un ventre. Bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est quelques millimètres. Hein. C'est normal, il fait chier. C'est là que ça va être utile. On utilise telle qu'elle est, la série est fournie en standard, donc un rail de 3 mètres. Il n'y a pas besoin de ces intermédiaires-là. Les intermédiaires-là, le constructeur conseille de les mettre tous les 2,5 mètres à peu près. Donc là, j'en ai un petit en tout. On est comment? Il y a toujours une légère poche, mais pas grand chose. La première dose, avant, je passe quand même un coup de balai, mais surtout
je vérifie que je ne vois pas de clous ou de choses comme ça. Donc là, comme l'arbre est plus large au pied qu'à la tête, hein, j'ai fait une première passe, c'était pour avoir une moins grosse épaisseur là-haut, et surtout pour vérifier que le guide passait bien tout le long. Cette première passe, je ne l'ai pas passée, je ne l'ai pas faite n'importe comment au niveau des... cotations. Je suis à 8 pouces et demi. Pourquoi je suis à 8 pouces et demi? Parce que les autres côtés, je les ai ramenés à 6 pouces du centre. Et l'avantage de faire à 8 pouces et demi, c'est que ça me permet de faire deux planches de 1 pouce d'épais. Donc pourquoi 8 et demi? Parce qu'il faut prévoir l'épaisseur de la chaîne de tronçonneuse. Même si c'est des chaînes spéciales, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, comme concernant le chariot, la tronçonneuse et les chaînes utilisées, on peut estimer qu'elles font un quart de pouce en épaisseur. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais régler à 8,5 moins 1 pouce 1 quart à 7 pouces 1 quart. Et là, à 7 pouces 1 quart, ça me permettra de faire une première planche qui ne sera pas complète, qui sera une dosse en définitive, hein, mais d'un pouce. Après, tout à l'heure, sur la phase précédente, la première planche de 1 pouce que j'ai faite, c'est celle-là. Donc elle, je vais pouvoir récupérer un voire deux tasseaux, hein, de 5 par... d'un bon 5 par un bon 2 d'épais. Par contre, là, ici, je peux pas, mais ça vient du fait que le tronc est pas cylindrique. Donc là, je vais finir, donc là, je vais en passer deux, et après, j'aurai ma grume avec les quatre côtés qui sont faits, et il va falloir réfléchir à comment on répartit. Donc là, il y avait un premier traçage, c'était un essai. Là, j'avais une première 20 par 6,
20 cm par 6 cm hein, sur 5,30 m de long. Une deuxième, une troisième, une quatrième, et j'avais prévu une cinquième ici. Après, le reste, c'est soit du chevron, soit du tasseau. Au départ, j'étais passé pour des chevrons, mais je vais plus débiter des tasseaux. Mais de toute façon, là, c'est ma grume d'essai. Donc pour l'instant, j'essaie. Seule chose, je vous laisse remarquer, l'état de surface. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est nickel. Et pourtant, ma chaîne commence à être désaffûtée. Découpe de dos. L'avantage, c'est qu'elle fait au maximum 2 pouces d'épais, celle-là. Donc il y a une partie qui peut être récupérée pour faire un bardage de l'abri ou autre chose, par exemple. Contrairement à tout à l'heure, vous avez vu que j'ai incliné ma grume à peu près de 20 degrés. C'est de manière à moins forcer sur le rail, hein, sur les bras du rail. Et ce que je passe là entre le bois et la grume, c'est pour éviter que le poids serre trop sur la lame. Donc on va sortir et descendre ça et on va essayer de voir. Les côtes. Donc là, de ce côté-là, on est bien à oui, un tout petit peu plus de 2,5. Un peu plus large ici, un peu plus étroite ici, mais bon, il y a 1 000 de décalage. Par contre, je pense que je suis un peu plus fin là-haut. J'ai encore un problème, j'ai pas pu le trouver. Et au niveau équerrage, là, pour la simple et bonne raison que j'ai fait plusieurs essais quand j'ai tourné, de réglage de grume, d'écartement du rail, mais globalement, on est d'équerre. Hein. Si vous regardez. On est d'équerre de ce côté-là, moins de ce côté-là, mais là on retombe sur la première face que j'avais faite. Hein, donc j'ai quelques degrés d'écart. Mais sur des petites longueurs, ça se verra moins, donc ça sera moins grave. Donc là, il reste encore de l'aubier, hein, surtout dans la partie au bout là-bas. Donc je vais redécouper une contre-dosse encore d'un pouce.
dans laquelle je pourrais tirer des... Je m'en servirai pas comme planche, mais dans laquelle je pourrais tirer des tasseaux qui me permettront, par exemple, de fixer un pare-pluie sous les chevaux. Donc là, c'était ma deuxième coupe, hein. J'étais à 7 pouces 1 quart. Et donc, je vais redescendre encore. Donc la dimension que vous avez ici en pouces, c'est à peu près du centre de la grume. Hein. Donc je vais faire 7 pouces 1 quart moins 1 pouce l'épaisseur de planche, moins 1 quart de pouce l'épaisseur de la lame. Donc je vais arriver à 6. Donc pour ça, je déplace ma bague. Je la mets à 6. Je desserre, je laisse descendre et je remets. Cette grume là est terminée. J'en profite parce que je suis en train de ranger, parce que je ne redécouperai pas encore ça ce soir. Et j'ai loupé l'heure du goûter, j'ai rien prévu et j'ai ma fille qui a faim. Donc je vais devoir rentrer. Donc juste un zoom sur les raccords de rails. Donc vous avez un profilé à l'intérieur avec un espèce d'éventail et des vis qui vont sur le côté là, de manière à l'écarter, donc pour bien tenir dans le rail, plus les deux griffes orange qui sont de chaque côté, qui se reprennent avec deux écrous de chaque côté. Donc on est vraiment sur une liaison rigide, même un peu embêtante à défaire. Et là, pourquoi je l'ai défait? Parce que le rail de 6 mètres pour ranger, c'est problématique. Et c'est surtout lourd. Donc je le découpe en deux pour la nuit. Donc là, une fois que j'ai fini de dépouiller ma grume, c'est-à-dire enlever les dosses et les contre-dosses, donc toute la partie, la grosse partie d'aubier, il me reste globalement un cube de 12 pouces par 12 pouces. Donc ça fait voilà du 31 à peu près, un peu plus de 31. La cote ici est pas juste, ça vient du chariot que j'utilise, je vous expliquerai ça plus tard. Mais bon, faut mieux plus que moins. Donc le but maintenant dans cette grume là, sachant qu'il me reste encore un peu d'aubier sur les coins ici là, ça va être de savoir comment découper. Donc là je m'aperçois qu'il me reste de l'aubier en bas ici et de l'aubier ici là, sur ces deux angles. Les autres angles sont beaucoup plus propres. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est comme je peux placer 5, 6, 20 dans la hauteur, et donc 5 fois 6 dans la hauteur, et 20 plus 6 dans l'autre sens. Je vais découper ma 6-20 ici, là, de manière à ce que les chutes de la 6-20 se fassent dans l'aubier. L'autre côté, je suis bien d'équerre, même s'il me reste un peu d'aubier, c'est pas grave, mais ça sera dans mes grumes. Sachant que faut que je la coupe à cœur aussi, je sais pas comment, de manière, autant pour des poteaux, on garde le cœur. Autant pour des arbas ou des pannes, il faut mieux que le cœur soit fondu pour faciliter les déformations. Donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, on va voir les contre-dosses là, que j'ai sortis, qui font, dans lesquels je vais faire des tasseaux. Je vais vous montrer que les tasseaux, je peux aussi les faire avec ce système de scie. Je suis pas obligé de ressortir le rail et la circulaire pour taper, pour déligner des tasseaux là-dedans. Enfin, dernière chose pour en conclure sur cette première vidéo sur mon système de sillage. Donc première chose, c'est pas une vidéo sponsorisée. Hein. J'ai acheté le système. Hein, il n'y a pas de
Il n'y a aucun arrangement commercial dedans. Et deuxième chose, pourquoi je suis parti sur ce système-là plutôt qu'un système de grulinette et ou de scierie mobile classique, hein, c'est que l'avantage de ce système-là, c'est que je peux à la fois faire des planches et des avivés. Là, comme les troncs font 7,20 m, qui sont ici les grumes, et que moi j'ai coupé que du 5,30 m là, dans les 2 mètres qui me restaient, j'ai fait des... je me suis essayé. Donc voilà le genre d'avivé que j'ai ressorti, hein. Ça pose pas de soucis. Le gros avantage de ce système-là par rapport à une scierie mobile, c'est si j'ai qu'une grume à couper, bon là c'est exceptionnel, hein, j'en ai plusieurs, je peux la découper sur place. Je suis pas obligé d'avoir des engins de levage, de venir avec un tracteur, etc. pour amener la scierie mobile, donc avoir une place libre pour la scierie mobile, charger après sur la scierie mobile. Là, ça me permet de le faire sur place. Et l'avantage de pouvoir le faire sur place, c'est que ça, pour moi en tout cas dans mon coin, c'est que ça me permet de récupérer des grumes gratuitement. Donc l'investissement, certes c'est un investissement, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos, mais l'avantage c'est de récupérer du bois, entre guillemets, gratuit. Même si, bon, il faut payer l'essence, le système de sillage, etc. Mais voilà pourquoi ce choix. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo, donc soit sur le délignage des tasseaux, soit sur la découpe des avivés dans le cœur de grume, je sais pas, mais en tout cas ça sera très prochainement. Là ce soir ils annoncent de la pluie, alors je plie pour tout mettre à l'abri. Allez, à très bientôt et canavo.